pour tout le monde. Il y avait 27 renoms au départ. Je vais céder la parole à Jacques Lully pour le prix adulte. Alors, donc pour le prix Futurial adulte, donc 4 finalistes, après des débats à couteau tiré évidemment. Donc nous avons Bloody Mary de Jacques Martel, pour les éditions Black Book. Ensuite, Eternity Incorporated de Raphaël Granier de Castagnac, édition Nemos. Les Tangences Divines de notre ami Franck Féric, aux éditions de Réel, encore. Et Avant le Déluge de Raphaël Albert, aux éditions Nemos, encore. Donc à la majorité des votes du jury, composé de 11 personnes, je me rappelle, donc il y avait des libraires, des bibliothécaires, des lecteurs et des auteurs, des gagnants, et des, oui, bien sûr, et les collègues de la mairie de l'Espoir, grands lecteurs, bien sûr. Alors donc le vainqueur est... Silence dans la salle. Avant le déluge de Raphaël Albert, édition Nemos. Et en fait, Raphaël n'est pas parmi nous, malheureusement, donc c'est le directeur général de Nemos, et oui, qui va prendre le prix et nous faire un beau discours. Et oui. Frédéric Veil. Merci beaucoup, très honoré de recevoir ce prix pour Raphaël Albert. Alors Raphaël, eh bien, il n'est pas là, il est à l'étranger, et entre les volets, s'est retrouvé. C'est aujourd'hui qu'il avait choisi pour déclarer sa flamme, la femme de sa vie. Je pense que c'est une excuse. Non. Alors, il m'a chargé de remercier très chaleureusement le jury de l'avoir choisi. Alors, oui, pour ceux qui connaissent, eh bien, cher Papa, il aura accompagné cette barrière du geste. Il aime bien se mettre en scène. Et... pas de plus. Et puis... Donc, personnellement, je voudrais aussi vous remercier. Je suis très heureux que vous souteniez la création francophone dans la littérature de genre, la littérature d'imaginaire. C'est important pour nous, c'est une partie de notre travail. Et donc je remercie les pouvoirs publics aussi d'accompagner de manière forte ce travail que nous faisons. Il y a de très grands talents ici en France qui écrivent des littératures de l'imaginaire. On est très heureux de publier. Merci encore.